So it's pétillant naturel with Sephylar hybrids white variety. It's the first time we make a bubble with this grape, but I like it. Yeah. Especially when the temperature is very heat. Yeah, it's hot. Ouais, j'aime ces savaniens parce que c'est l'histoire du Jura, c'est notre tradition. Et j'aime beaucoup ces vins qui ont beaucoup d'acidité et qui sont particulièrement adaptés à la vinification sans sulfite. Les savaniens, it's a good grape for natural wine. You can make a sparkling wine, you can make oxidative style, you can make Sauvignon Houillé, and it works well without drugs. Is it the right shoes for this job? I was in school at Beaune, and most of the day the teacher says it's not possible to make wine without sulfite. It's not possible. Jules was in Beaune, and he hears the same thing. It's not possible. So we are very happy and lucky in Jura because we have a beautiful winemaker like Pierre Vernois, like Jean-François Ganva, who shows the way to the best wine. Is nothing added. After school, you learn a lot of bad things. So it needs some years for forget all the bullshit we learned at school. Donc là, on est dans des chardonnays de 15 ans que j'ai planté sur du pré nu, des terrains marneux, très argileux. C'est des terrains où le chardonnay et le savagnin vont très bien, quoi. Donc, it's beautiful terroir, but it's very hard to work. It's a lot of argile, and it's not easy ground, easy soil. When it's wet, it's too wet, and it's difficult, and when it's dry, it's very dry, like a stone, and it's so difficult to work. But it's a great terroir. So it's why a small estate is easier for us, because we just have some few time for do the job with the tractors. It's 4 hectares. So I have Chardonnay, I have Sauvignon, and I have hybrid grapes. If you just would like to see it. I love to be in the cellar, but my job is to make beautiful fruits. Station of hybrid variety. It's 10 years old,
10 years old, and it's a Sevillar variety. Sevillar 5276. No disease, nothing, no spray here, never. And I think we have too much grapes this year. But you have too much, you said? Yes, I think it's too much for. But it's okay, we have some rain and peut-être qu'on en enlèvera un petit peu s'il y en a trop, mais pour l'instant les raisins grossissent bien, la vigne a l'air de bien les tenir. But c'est beaucoup beaucoup de raisins quand même. Mais c'est un plaisir énorme de bosser ces cépages. C'est vraiment plaisant. On retrouve tout, l'odeur de la feuille. Sur une vigne normale, on ne peut pas sentir l'odeur d'une feuille parce qu'il y a toujours eu des traitements dessus et on sent que l'odeur du sulfate. C'est un plaisir absolu de travailler ces cépages. Si je pouvais en avoir plus, je serais le plus heureux des vignerons. Mais je ne sais pas, moi, ce que le futur sera. Mais par contre, je sais que le futur de mon exploitation, ça sera des hybrides. Mais je ne sais pas ce que sera le futur. Mais on a des nouveaux pathogènes qui arrivent régulièrement. La flavescence dorée, Drosophile Suzuki. On a des nouvelles maladies qui viennent s'accumuler à toutes ces autres maladies. On a un végétal européen qui est à bout de souffle. Et pour moi, évidemment, l'avenir, c'est ces variétés résistantes, spécialement les anciennes. Ça, c'est un cépage qui a été créé en 1922, si je crois bien. Ça fait 100 ans qu'il est résistant, ça fait 100 ans qu'il n'est jamais malade, ça fait 100 ans qu'il fait des jolis vins. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour ces variétés. Et là, à côté, j'ai mis une variété Souvigné Gris. C'est la seule, on peut dire, jeune variété que j'ai planté, quoi. Je me suis surtout intéressé aux vieux hybrides. Le Léon Milo, le Rayon d'Or, le 54-55 et le Sevillar. Mais j'ai planté aussi un peu de Souvigné Gris parce que je l'ai vu dans le Beaujolais chez mon ami Lilian Bauchet et les vignes étaient magnifiques et les vins sont magnifiques. Et je crois beaucoup en ce cépage Souvigné Gris. I'm not okay with that, but évidemment qu'ils vont exprimer le terroir. Ces hybrides, on les a plantés à une grosse densité, à 5000 pieds hectares, sur des grands terroirs. On les cultive exactement comme des vignes jurassiennes, comme le savagnin, comme le chardonnay. Mais évidemment qu'ils vont exprimer le terroir, évidemment. Évidemment. Mais il existe 10 000 variétés de vignes. Et ce serait dommage de se cantonner qu'aux 5 variétés que les AOC nous ont autorisées. Il faut aller vers la variété. La multiplicité. Valentin Morel is a beautiful hybrid. La cuvée, la canaille, delicious. But except Valentin, I don't know another winemaker. But I think it's gonna change. Domaine de la Tourèze, he planted this variety, I think. I hope it's a friend. And I would like to see more hybrids in Jura. It's
It's a very young vineyard. It was filled with cows before. It's a big problem when it's a vineyard on vineyard on vineyard. You have an historic of copper, it's very difficult. But nobody speaks about that. It's better to speak about the Marne and the exposition and to smell the ground. But copper is a very big problem in Burgundy when it. We still have vineyard on a milieu came century before. It's copper everywhere. Parce que je pense que le Liège a été le meilleur bouchage du monde durant 3 ou 4 siècles. Mais maintenant, c'est vraiment le pire bouchage du monde d'un point de vue technologique. Et je suis très pragmatique et j'ai eu trop de problèmes avec des goûts de bouchons, avec des bouteilles couleuses, des bouteilles qui goûtent pas pareil. Et pour moi, techniquement, le screw cap est le meilleur bouchage. Donc, je ne suis pas inquiet avec la tradition. Pendant des siècles, on a eu cette tradition du bruit plouc, en sachant que 2 à 6% des bouteilles allaient avoir des dérives par rapport au bouchage, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment le plus mauvais bouchage maintenant. Et je ne suis pas inquiet de la tradition Liège. Le bouchon ciré. Je suis pas inquiet avec ça. J'espère que ça va. Ma philosophie sur le soufre, c'est que les vins que j'aimais, les meilleurs vins que j'ai bu étaient sans soufre. C'est ces vins-là que j'aimais. Donc je suis allé vers le sans sulfite. Parce que c'est ces vins que j'aime. Tous les autres vins m'ennuient. Voilà ma philosophie. On a le choix de pouvoir faire ce qu'on veut. On n'est pas prisonnier du marché, comme on est une petite exploitation. Et pour moi, le but ultime, c'était vraiment ça, faire un vin sans sulfite. Et si en plus le vin est sans traitement phytosanitaire à la vigne, eh ben. Pour moi, c'est le nature absolu, le vin naturel absolu.